Salut mes petits loups, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo. Je recommence. Salut les petits loups, aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous parler des bonus cachés. Alors c'est pas vraiment des bonus qui sont cachés, mais quand vous choisissez votre race avec la sous-race, on n'est pas forcément au courant, mais il y a certaines races ou sous-races qui vont débloquer certains bonus arrivés au niveau 3 et au niveau 4. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Là, je vais vous le dire, mais à la fin, je vous mettrai une petite image, un petit tableau vite fait qui vous récapitulera tout ça. Et ce sera aussi dans la description si vous avez la flemme de regarder cette vidéo. Donc, on va commencer par les Geth. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Geth Yankee, en plus de leur sort mineur et de leur savoir astral, ils vont débloquer Saut Psionique au niveau 3 et Foulée Brumeuse au niveau 5. Alors saut psionique, c'est plus ou moins l'équivalent d'un sort de saut amélioré. En ce qui va concerner les Drow, et pareil pour les demi-elfes sous-race demi-Drow, c'est la même chose. Au niveau 3, ils vont débloquer le sort Lueur Féerique. Et au niveau 5, le sort Ténèbres, qui seront tous les deux utilisables une fois entre chaque long repos. Maintenant, pour les nains de la sous-race Duergar, au niveau 3, ils débloqueront le sort Agrandissement, utilisable une fois entre chaque long repos. Et au niveau 5, ils débloqueront le sort Invisibilité, utilisable une fois par combat. Et ensuite... Et en dernier, pour les Tieflins, là ça va dépendre de leur sous-race. Donc les Tieflins de la lignée d'Asmodée récupéreront au niveau 3 Représailles Infernales, utilisable une fois par long repos. Et au niveau 5, Ténèbres, utilisable une fois entre chaque long repos. Pour les Tieflins de Méphistophélès, au niveau 3, ils débloquent Main Brûlante, utilisable une fois par long repos, et au niveau 5, ils récupèrent Épée Enflammée, une fois par long repos. Et pour les Tieflins de la lignée de Zariel, au niveau 3, ils récupèrent Châtiment Calcinant, utilisable une fois par long repos, et au niveau 5, ils récupèrent Châtiment Révélateur, une fois par long repos. Si jamais vous n'avez pas envie de vous retaper toute la vidéo, je vous mets maintenant tout ça par écrit, et ce sera également dans la description. N'hésitez pas à mettre pause, abonnez-vous, suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur Twitch. Je vous fais des bisous, à la prochaine !